Faire. Expliquez-nous l'objectif de votre présence. L'objectif fondamental, c'est que l'ensemble des forces politiques de ce pays se donnent la main. Éviter notre pays, tout ce que nous avons connu comme mal. Un retour en arrière. Les visites que nous avons si de nous avons et après l'élection, notre diversité, et le respect de ses ancêtres, comme nous l'avons dit, aussi nous avons profité de l'occasion qui nous a été offerte. L'ensemble des partis, des leaders politiques qui nous ont soutenus pendant cette petite période courte, le discours signé. C'est l'un des deux objectifs, c'est l'un des objectifs qui nous ont amenés là. D'accord, vous avez obtenu un discours tout de suite en français. On voudrait que vous le résumiez en quelques mots en français, s'il vous plaît. C'est clair. La démocratie et l'équilibre veut dire nous importons les gens de la route Guinée pour aller s'enrichir et nous transformer ces enfants de la forêt en simples teneurs de corde, en simples ouvriers qui n'ont aucun avantage lié à cette plantation minière. Le partage de moyens ne sera pas le cas. L'entente internationale sera entamée. Soutenez-vous que l'argument que vous avez, dit tout à l'heure par rapport à votre, dans votre communication, que le retard de ce pays est dû aux gens de provenance de la Haute-Guinée. Oui, je le soutiens parce que si vous prenez le temps, merci tout le monde, dans les 64 ans, chacun se souvient de ce qu'on a dit, surtout. Il a fait 26 ans. Concernant ce Kouba Konaté a fait 2 ans, 28 ans. Parlez de lui. Alpha Condé a fait 11 ans, 39 ans. Mamadi est en train de faire un jour de 40 ans. Si la Guinée dans de l'indépendance en maintenant, c'est 64 ans. Là, ça ne compte pas. Avant de lever la séance, si on élève le pourcentage, quels sont les fils qui ont occupé la Guinée? C'est bien la Haute Guinée. Donc, la Guinée n'a pas posé la responsabilité incombe à ceux qui l'ont géré pendant ces 40 ans.